Je savais que tu viendrais. Tu l'avais promis. J'ai sauvé ça. Pour toi. Est-ce que je peux... utiliser la télékinésie pour déplacer des objets. Emmener... au vaisseau. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colonie. Elle est sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Lui, plus que les autres, devrait savoir que rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou même la compagnie. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts. Les faibles et les profanes ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai la foi. L'église. Thank you.
Nova gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos bottes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Zone sans gravité. Bien. Vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. Merde. On dirait qu'ils s'approchent. Je les entends dans les conduits. Faites gaffe, Isaac. Les zones sans gravité. Zone sans gravité. Les zones sans air. Thank you.
Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. De me montrer cette vidéo fournie par la colonie. Et ce que j'ai vu, mon Dieu, incroyable! J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux, un vrai miracle. En tant que fidèle de l'Église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leurs secrets. Je dois étudier un de ces nécromorphes, comme Kyle les appelle si bien. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient? Quelle malédiction peut bien causer tout ça? À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin, vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Tracasse? Capitaine, des gens meurent là-dessous, s'entretuent.
Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie? Docteur Terence, il y aura toujours des risques si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète.